Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire SI Directeur de SMS dédié aujourd'hui à faire le point de la situation du système d'information de sa structure. Les intervenants d'aujourd'hui, alors tout d'abord Michel Daniel, cadre supérieur de santé avec une expérience en gériatrie et expert application au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Elle est également experte du collège numérique de la NAP. Et elle nous aide donc par son expertise à la rédaction des productions ANAP dans la thématique numérique. Également avec nous en intervenant Benoît Huet et Swazik Peris Issabori, respectivement chef de projet et chargé de projet à l'ANAP. Quelques règles de bon fonctionnement pour ce webinaire. Donc vos micros et vos caméras sont éteints par défaut. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet « Discussion ». Nous vous invitons pour cela à sélectionner tous les panélistes et les participants. Certaines questions trouveront leurs réponses directement dans cet onglet, donc n'hésitez pas à le balayer régulièrement pour voir les réponses que vous font les panélistes. Et juste petite précision, les panélistes représentent ici les intervenants et animateurs de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible sur le lien suivant, sur la slide juste après. Voilà, merci. En effet, donc les échanges se poursuivent dans un fil de discussion dédié sur la communauté de pratique, où le support et le replay de ce webinaire seront mis à votre disposition. Et n'hésitez pas aussi à y poser toutes vos questions complémentaires. Je laisse à présent la parole à Benoît Huet, qui va vous parler des objectifs de ce webinaire. Alors notre idée au démarrage de la réflexion sur proposer des webinaires pour les directeurs de structure, notre premier point, ça a été un petit peu de traiter du numérique qui arrivait dans le secteur. Voilà, on a vu le numérique arriver de manière assez forte dans pas mal de secteurs et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu deux voies possibles. D'un côté, c'était du numérique un petit peu débordante qui entrait par la fenêtre, par la porte et par la cheminée. Et il y avait aussi l'autre possibilité dans d'autres secteurs, on a vu le numérique qui soit beaucoup plus choisi. Voilà. Alors, bien sûr, le numérique est présent dans vos structures depuis un certain nombre d'années. Par contre, on sent une accélération assez forte sur les éléments numériques qui sont autour de vous, auprès des professionnels, des moyens de communication, du lien entre les professionnels, du lien avec les usagers, avec les familles, qui est de plus en plus présent. Voilà. Donc, l'État, au fond, a fait le choix de se dire que pour le médico-social, on va plutôt vers du numérique choisi, voilà, et non pas du numérique débordant. Donc, l'un des premiers points, c'était que, au fond, le directeur de structure soit éclairé sur la notion de numérique. Parce que en fait, dans le numérique, on peut prendre un petit peu de tout, un petit peu tout est possible, tout est envisagé, tout est proposé. Et donc, cette suite de webinaires a pour objectif de vous faire connaître les enjeux du numérique et que vous soyez éclairé pour la stratégie de votre structure. L'élément essentiel, c'est que votre stratégie de structure, elle soit renforcée par la stratégie du système d'information. La stratégie du numérique de votre structure doit se coller à votre stratégie de structure. Et l'autre point, c'est que cette stratégie de système d'information de votre structure, elle doit aussi s'adapter à une grande trajectoire du numérique en santé qui fait aussi évoluer l'ensemble du monde de la santé avec des référentiels qui vont être communs, avec des grands outils qui vous seront proposés aussi. Et donc,
L'idée première de cette série de webinaires qui est vraiment orientée pour le directeur de SMS, c'est de vous apporter des éléments de culture informatique, voilà l'essentiel, pas obligatoirement rentrer dans le détail de la technique, mais les éléments essentiels. Et le deuxième point, c'est que le directeur de structure reste le grand pilote de la stratégie SI de sa structure, et il est important que vous ayez quelques notions de la spécificité du pilotage du système d'information. Alors, dans les précédents webinaires, le précédent webinaire, on avait abordé les grandes notions du système d'information. Aujourd'hui, on va essayer de vous aider à faire le point de situation de votre système d'information, de votre structure. Et puis, il y aura deux autres webinaires qui seront derrière. L'un, c'est plutôt pour engager la stratégie SI pour qu'elle soit efficace au service des personnes que vous accompagnez, mais aussi de votre stratégie de structure. Et puis le dernier sera un focus sur l'un des éléments les plus complexes à déployer dans une structure médico-sociale, c'est le dossier d'usager informatisé que tous les salariés utilisent. Voilà. Je reviens sur aujourd'hui, faire le point de la situation du système d'information. On va essayer de se dire un petit peu par où il faut commencer. C'est le premier élément, parce qu'il y a pas mal de choses à faire ou pas mal de possibilités. Notre idée, c'est de vous guider un petit peu en termes de méthode. Et donc, le premier point, c'est par où on commence. Et puis, après, de vous aider un petit peu sur la notion de diagnostiquer l'existant. Comment on doit le faire, par où on doit passer, quels sont les éléments à diagnostiquer. On n'a pas toujours idée de tout ce qu'il faut faire. Mais tout ça, toujours dans une démarche d'avancer vers de véritables besoins que vos structures ont besoin, que vos salariés ont besoin. Donc, et puis à un moment donné, de pouvoir faire l'écart entre ce diagnostic de l'existant et les besoins qui sont formulés par vos professionnels, vos usagers et puis vos besoins stratégiques. Et puis tout ça pour pouvoir avancer vers un système d'information plus complet et plus adapté à ce que vous souhaitez. Alors, je vais passer, juste avant de passer la parole à Michel, ce que l'on a essayé de traiter un petit peu dans ce webinaire, c'est un petit peu les questions que vous voyez en face de vous. On parle un petit peu de tout, ça veut dire si je pars de la gauche, le stockage de données de ma structure, est-ce qu'elle est protégée, est-ce que c'est pérenne? Un dossier d'usager, oui, c'est gentil, mais est-ce que mes équipes vont l'utiliser? Est-ce que mes outils informatiques déjà installés, est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce que vous avez besoin d'adapter aussi votre matériel? Pour qui? Pour quel type de salarié? Pourquoi? Il y a aussi des questions un petit peu de fond, hein, ça veut dire que j'ai des outils pour la paye et la compta, est-ce que j'ai besoin de beaucoup plus? Voilà. Cette démarche, elle a pour objectif de répondre à vos questions, à ces questions principalement. Et puis, il y avait un dernier élément sur la connexion Internet et les réseaux internes, bien sûr, qui sont assez récurrentes. Ces questions, on n'y répondra pas en direct, bien sûr, mais par contre, notre idée est de vous transmettre une méthode qui vous fait avancer, de vous transmettre un certain nombre de documents dans lesquels vous pourrez aller plus loin dans la méthode et aussi pour vous aider à répondre à ces questions pour vous, pour votre structure. Chaque structure est unique. Et l'idée, c'est que vous ayez chacun un petit peu votre stratégie. Et notre idée de fond et celle de Michel aujourd'hui, Michel Daniel, c'est de vous transmettre les bonnes pratiques. Voilà, une méthode qui marche et qui a été éprouvée. Voilà. Je te laisse la parole, Michel. Et puis, bien sûr, on répondra à toutes les questions qui se poseront dans le chat. Donc effectivement, faire évoluer son système d'information, on se pose la question par où commencer. Là, on va être vraiment effectivement sur une démarche de projet. On va donc effectivement commencer par définir au niveau stratégique les objectifs du système d'information, pour qu'on sache pour qui, pourquoi, et on déclinera aussi le comment
on va pouvoir effectivement faire évoluer son SI dans le PSMS. On peut imager l'établissement, effectivement, on va représenter sur cette maison avec effectivement des domaines, que ce soit en fondation, l'infrastructure, les référentiels, l'administration SI, également tous les domaines concernant les cœurs de métier et effectivement pilotés par le directeur principalement, la gestion de la gouvernance, le pilotage et suivi de l'activité. Donc on voit bien qu'au niveau du SI, on va avoir un impact sur tous ces domaines et on va tendre à l'informatisation de tous ces éléments. On a déjà des fonctions qui sont, comme on disait Benoît, pour commencer, on a déjà de l'informatisation de la PSMS, on a déjà un système d'information et on a aussi des domaines plus développés aujourd'hui, qui sont souvent gérer les ressources, gérer la logistique ou facturer, mais le SI doit s'élargir à l'ensemble des domaines. Donc, effectivement, c'est le système d'information qui est au service de la stratégie. Donc, les outils numériques doivent rester au service d'une organisation et des pratiques ciblées sur la structure. Donc, on ne perd pas de vue que le système d'information va aider, mais on est bien au service à la fois des pratiques, à la fois, on verra dans les prochains webinaires aussi, de la patientèle. Donc, les objectifs d'évolution du SI doivent toujours répondre à nos choix stratégiques et chaque structure doit les définir. Ces objectifs vont se traduire en projet et là, effectivement, on va être dans la méthodologie de projet avec effectivement une évaluation des moyens mobilisés et on va le voir tout à l'heure, un état des lieux pour commencer. Mais cette stratégie, elle s'inscrit aussi dans son écosystème. On a abordé tout à l'heure le contexte actuel. On a effectivement besoin de replacer le PSMS dans son environnement, que ce soit par rapport donc aux besoins internes, mais aussi aux besoins externes. On a effectivement des interactions, que ce soit avec la région, l'ARS, les GRAD, que ce soit au niveau national, au niveau européen. Et on doit avoir, c'est un enjeu important aujourd'hui, cette vision très élargie. On n'est pas tout seul, on vit avec les autres, on a des outils collaboratifs, donc on va aller vers cette vision qu'on ne doit pas oublier dans la définition de sa stratégie. Donc on va effectivement préparer l'évolution du système d'information. Mais pour ça, le directeur ne va pas être tout seul, bien évidemment. On va, en pratique, faire une réflexion autour du système d'information et on va répertorier, effectivement, l'ensemble des acteurs qui vont être importants. Alors, ils peuvent être différents des structures à une autre. On peut avoir des dirigeants élus, certaines structures, le directeur, bien évidemment. Parfois, des référents métiers internes, pas toujours le cas dans toutes les structures, mais en tout cas, on tendra à les identifier. Les instances aussi représentatives du personnel, on verra tout à l'heure par rapport à la conduite de changement, c'est un élément aussi à prendre en compte. Et répertorier aussi les compétences SI liées à sa structure. On ne part pas tous avec les mêmes moyens et on va aussi adapter sa stratégie à la définition même de sa structure. Et bien sûr, les usagers pour lesquels le système d'information va être au service d'eux. Donc, pour préparer l'évolution du système d'information, on va identifier et dessiner les orientations. Donc, ça, c'est vraiment le rôle du directeur, effectivement. On doit rechercher en tout cas l'alignement stratégique entre le SI et le projet de sa structure. On va effectivement identifier au niveau de son établissement une feuille de route qui va permettre de pouvoir suivre son projet. Et donc, dans la première étape de cette feuille de route, on a effectivement le diagnostic de l'existant et l'identification des besoins. C'est important parce que c'est des phases qui sont souvent minimisées dans la partie projet et entre autres dans les systèmes d'information. Or, elle va être déterminante pour aborder ensuite la stratégie de déploiement et de définir les projets qui se devront être prioritaires. Diapo suivante.
Cette petite introduction vous propose quand même, si vous avez quelques questions, de les poser. Donc pour cela, on vous invite à utiliser l'onglet discussion ou converser suivant les versions de Zoom que vous avez et surtout de bien les adresser à tous les panélistes et participants, tous les conférenciers et participants. C'est pareil, des fois il y a des petites variations en fonction des versions de Zoom pour que tout le monde puisse suivre les questions qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, comme cette introduction était peut-être un petit peu courte et pas forcément suscité beaucoup de questions tout de suite, on va voir si elles arrivent au fur et à mesure. Je vois quelqu'un a levé la main. Vous pouvez nous la poser par écrit ou si on se donne un petit peu de temps, je ne sais pas Benoît ce que tu en penses, si on propose à la personne d'intervenir à l'oral. Oui, on a du temps. Une question, l'important aujourd'hui, c'est de prendre ça. Le temps de bien comprendre. C'est le moment de la stratégie ici, donc c'est important de prendre le temps. D'accord. Alors, je vois une main levée. Marion, si tu peux. Alors, que fait-on quand il n'y a que, voilà. Je vois une question. Que fait-on quand il n'y a pas de stratégie dans son association? Alors, la stratégie, c'est vrai que qu'on soit dans son association ou dans sa structure, il y a parfois, comment dire, des difficultés à poser une stratégie tout à fait écrite et claire. Par contre, il y a quand même de l'histoire et en fait, la stratégie est souvent orale aussi. Alors, ça peut très bien être une stratégie très attentiste. Entre guillemets, mais c'est important de pouvoir bien l'identifier parce que c'est pas toujours très écrit. La deuxième chose, c'est que l'association, elle peut avoir un certain nombre de structures et chaque structure va prendre aussi l'association, la stratégie à son niveau. La structure peut aussi avoir sa propre stratégie locale. Voilà. Et puis, à un moment donné, si vous avez aucune stratégie, vous pouvez quand même vous dire je suis dans une démarche d'amélioration qualité, voilà. Et cette démarche d'amélioration qualité fait que, au fond, vous allez vous poser des questions sur certains éléments de fonctionnement de votre structure, et ces éléments de fonctionnement peuvent pratiquement être à chaque fois étayés par du numérique. Et donc, votre stratégie c'est peut-être pas une stratégie avec un grand S, mais c'est au moins une amélioration du quotidien, une amélioration pour les professionnels, les usagers. C'est de maintenir un niveau de qualité relativement élevé et de proximité avec les usagers. Et donc, à partir de là, vous avez une stratégie, OK, non définie, non écrite. Mais il y en a une quand même de fond et c'est comment dire, cette amélioration qualité est vraiment habituelle dans le monde médico-social. Donc, j'aurais une tendance à vous dire, si vous n'en avez pas, collez-vous à la stratégie d'amélioration qualité. De toute façon, elle posera des questions auxquelles le numérique pourra répondre régulièrement et vous collerez votre stratégie SI à votre amélioration continue. Voilà. Nous avons Madame Franciane Bénuf-Séville. Je vous ai ouvert le micro. Qui aurait une question, qui a levé la main? Non. Madame Bénuf-Séville, n'hésitez pas à lever la main et à parler, du coup. Non, je n'ai pas demandé la parole. Bon, c'est pas grave. Je vais baisser votre main, du coup. Alors, je vois quelques commentaires, j'en profite, hein, puisqu'aujourd'hui, on est dans voilà, on a un peu le temps et on parle vraiment stratégie. Je vois un commentaire en se disant que vous avez des cabinets qui vous proposent en fait des usines à gaz, voilà, pour faire, comment dire, les schémas directeurs. Alors, à l'ANAP, on a l'habitude de distinguer un petit peu deux types de méthode pour pour le système d'information. D'un côté, la notion de schéma directeur qui est plutôt relativement large, gros, étayé,
Qui demande de la ressource. Alors, ces schémas directeurs, c'est tout à fait possible pour des organismes gestionnaires qui font 30, 40, 50 structures, hein, sans aucun souci. Voilà, parce que ça demande du temps et de l'analyse, et c'est précis, ça permet de gérer aussi comment dire, les coûts qui vont avec. Voilà. Et par contre, pour les organismes gestionnaires qui sont de beaucoup plus petite taille, on vous propose plutôt une méthode de une feuille de route SI. Voilà, donc c'est un schéma directeur relativement allégé. Donc, ce schéma directeur, il se fait en quelques jours. Voilà, par contre, il est moins précis, moins approfondi. Et puis, on vous a proposé aussi un modèle de Canva pour chercher comment dire, un cabinet d'accompagnement et pour lui décrire ce que vous attendez de lui. Et tout de suite, le cabinet va comprendre que ce n'est pas 10, 15, 50 jours qu'on lui demande comme travail, mais plutôt de l'ordre de 5 à 7 jours. Voilà. Et tout est décrit. Donc, vous pouvez à la fois prendre la feuille de route et puis vous y attaquer tout seul, il n'y a pas de souci, ou soit vous faire accompagner par un cabinet, mais par contre de lui préciser que vous ne voulez pas obligatoirement un grand schéma directeur, mais au minimum une feuille de route SI qui est de plus petit gabarit, qui permet pour une structure ou deux, trois structures, voilà, d'avoir une visibilité sur 1, 2, 3 ans maximum sur les systèmes d'information. Voilà. Et c'est globalement la méthode qui est dans ces documents-là qu'on vous présente aujourd'hui et puis à la prochaine fois aussi. Voilà. Alors bien sûr, les prix des consultants vont avec, hein, ça veut dire que 6 à 8 jours, hein, c'est moins de 10 000 euros, voilà, c'est plutôt 10 000 euros, 10 ou 12 000 euros. On a deux autres questions qui sont peut-être un peu en avance de phase ou plus spécifiques, mais on a un peu de temps, on a encore 3 minutes si on veut tenir le timing. Donc je vous propose qu'on les regarde. La première est dans le cadre des coopérations entre établissements, les différents logiciels seront-ils compatibles selon les fournisseurs de logiciels? Michel, tu veux te lancer? Je dirais que ça, c'est toujours le problème de l'interopérabilité. Enfin, je pense que dans le cadre d'un groupement, effectivement, il faudra analyser et se poser les bonnes questions pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble des logiciels. Aujourd'hui, on n'est pas encore toujours très opérationnel pour que tout communique de façon limpide entre les structures. Donc, je pense que la réflexion sur l'outil à choisir sera importante parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est toujours facile sur le papier, ça communique toujours très bien et ce n'est pas forcément le cas dans la réalité. Donc, effectivement, c'est vraiment un point de vigilance dans les regroupements, dans les choix d'éditeurs, de s'assurer effectivement une compatibilité entre les établissements qui sont regroupés et surtout, sinon, effectivement, de faire le choix de prendre un outil qui sera effectivement multi-entité parce que sinon, c'est compliqué, je trouve. Mais après, c'est en train de bouger hein, chez les éditeurs parce que ça devient une obligation, parce que le numérique prend là un envol quand même qui est important et il ne faut pas rater le virage, mais je dirais que pour l'instant, il y a quand même des réserves sur l'interopérabilité. Faut le Je savoir. crois que, oui, je crois que cette notion de feuille de route permet aussi de se dire sur les logiciels, par exemple, de finance ou de gestion RH, on cherche à avoir un outil commun et puis sur les autres, on préfère attendre un petit peu, par exemple. Ça fait partie de tout mettre tout le monde en même temps, au même endroit et peut-être quelque chose qui est visé, pas obligatoire non plus. Voilà. C'est plus pratique quand on est dans une même structure ou dans un même organisme gestionnaire d'avoir le même outil. Alors que ça soit finance, RH ou dossier d'usager informatisé, en fait, oui, c'est plus pratique. Après, il faut regarder aussi un logiciel, ça a 6, 7, 8 ans de vie.
Après, on change, on a l'habitude de changer un petit peu, voilà. Les outils de finance et de compta durent un peu plus longtemps, mais il ne faut pas hésiter non plus à remettre en cause ce qui a été posé il y a 5-7 ans et puis d'y aller progressivement, voilà. La question suivante est posée par un stagiaire qui est en train de mettre en place la gestion électronique de documents dans son établissement et qui demande si on peut considérer que c'est un virage numérique. Alors, ben en partie oui, parce que la gestion électronique des documents, il y a une partie de dossiers d'usagers informatisés qui est une GED, voilà. On a des GED qui permettent de gérer la structure, ça permet d'avoir accès en fait aux documents à distance aussi. Donc c'est de la plus-value qui est abordée. De toute façon, tout ce qui est numérique hein, doit rentrer en fait dans cette stratégie numérique. Voilà. Si les professionnels ont des difficultés à avoir des documents communs au même endroit, eh bien, la GED, elle devient stratégique parce que en fait, ça répond à une problématique. Voilà. Alors, je vois d'autres questions qui se posent. Est-ce que on traite peut-être une dernière? On peut prendre, effectivement, aller prendre la. Je pense que sur les aspects financiers et sur les annuaires, on peut y répondre soit par écrit, soit assez rapidement, si D'accord. vous voulez. Mais par contre, celle qui peut être intéressante, c'est où trouver les innovations dans notre domaine. On y reviendra un petit peu après, mais il y a quelques publications de l'ANAP, par exemple. Mais ça veut dire que l'innovation, elle se situe à pas mal d'endroits parce que le numérique, en fait, avance un peu plus vite qu'on ne le pense. Mais les dossiers d'usagers d'il y a 5-6 ans ou les outils RH ou finance d'il y a 5-6 ans sont plus tout à fait les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Voilà. Ils sont beaucoup plus accessibles pour l'utilisateur. Ils sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus intuitifs. Et en fait, il y a une partie de ça, c'est de l'innovation au fond. Voilà. Après, les innovations qui sont plus pointues et qui sont un peu plus en avance de phase et qu'on voit pas encore partout, c'est que aujourd'hui pratiquement dans chaque profession, il est possible d'avoir des outils numériques pour aider cette profession. Voilà, ça veut dire qu'un kiné aujourd'hui, il peut très bien faire de la rééducation, mais il existe aussi des outils avec tablette, à distance aussi, pour aider le kiné et l'usager, d'aider le kiné, comment dire, à accompagner l'usager à distance. Voilà, en fait, pratiquement dans tous les domaines, on voit des avancées. Il faut faire la différence entre le numérique hyper pointu, très futuriste, voilà, et justement ce numérique qu'on a réellement besoin là maintenant qui est opérationnel et fiable. Voilà. Alors c'est tout à fait possible de temps en temps de chercher un petit peu d'innovation, mais l'important c'est que au fond les professionnels et les salariés, l'ensemble des professionnels et des usagers, voilà, trouvent des innovations qui leur permettent d'avancer. Voilà. Et c'est souvent des innovations qui sont un peu plus vieilles, voilà, qui ont 6, 7, 8 ans et qui se sont stabilisées, qui sont soit intégrées dans les outils RH, finance ou dossiers d'usagers. Mais il est important de faire la différence entre l'innovation hyper avancée et les innovations du quotidien. Voilà. Et c'est l'amélioration des logiciels principalement. Voilà. Et l'interopérabilité, on en a à peine abordé, mais voilà, qui est l'innovation relativement fiable qui va arriver dans les 4-5 prochaines années dans vos dossiers d'usagers, mais aussi dans les outils financiers RH un petit peu, on va les voir arriver aussi. Je vous propose qu'on passe à la suite. Les deux questions qui restent en suspens, on va y répondre soit par écrit, soit un petit peu plus tard dans l'avancée du webinaire. C'est des sujets qu'on va aussi un peu traiter. Voilà, donc Michel, je te redonne la parole. Oui, donc on va reprendre notre feuille de route et du coup, dans la première étape, on va diagnostiquer l'existant et se dire où en est-on au sein de notre structure. Donc, pour établir cet état des lieux, effectivement, ça va permettre d'avoir une bonne compréhension de la situation de la structure pour pouvoir répondre effectivement au mieux aux besoins de cette structure.
On doit rechercher effectivement une cohérence entre la stratégie et les outils déployés. On va avoir effectivement un soutien, le système d'information portera le soutien des pratiques ou pratiques professionnelles. Et puis, bien sûr, l'élément incontournable qui est la sécurisation sur l'utilisation réelle des outils qu'on aura mis en place. Donc, c'est bien, ça reprend bien le fait que le système d'information va effectivement être une aide importante au fonctionnement effectivement de la structure et qu'il faut effectivement bien connaître où on en est au début de ce projet. Donc là, on a quelques outils qui existent, enfin deux outils hein, principalement, qui existent au niveau de la NAP qui peut permettre effectivement de bien, ce qu'on disait tout à l'heure, si on n'a pas forcément d'aide extérieure, de pouvoir aussi faire son propre autodiagnostic. Donc il y a un autodiagnostic de la maturité technique de son SI qui est déjà à disposition au niveau du site de la NAP, dont vous avez le lien d'indiquer. Et cet outil qui est un outil relativement simple hein, avec de la saisie, avec c'est un fichier Excel hein, avec des onglets différents dans lequel on va retrouver effectivement par processus de l'analyse, les macro-processus du secteur médico-social. On a nos onglets où vous allez pouvoir effectivement évaluer l'état. Où vous en êtes au niveau de votre établissement et ça permettra à la fin d'avoir automatiquement hein, une évaluation réalisée en fonction de vos réponses. Donc c'est un outil qui est simple d'usage et qui va permettre de rapidement pouvoir savoir le niveau de couverture fonctionnelle de son SI, le niveau de satisfaction des utilisateurs concernant la couverture actuelle, la pertinence des fonctions non couvertes actuellement, parce qu'on évalue aussi celles qui ne sont pas, on verra tout à l'heure par rapport à la cartographie, les fonctions qui ne sont pas couvertes, parce qu'on n'a pas encore forcément informatisé l'ensemble des fonctions de l'établissement. Et puis, chose importante, notre capacité à mener un projet SI. Le deuxième autodiagnostic sur la maturité numérique de sa structure va être publié courant mai. Donc, vous pourrez récupérer rapidement le lien qui vous permettra effectivement, avec ces deux autodiagnostics, d'aller avoir une image, je dirais, un instant T de votre système d'information au niveau de votre structure. Une fois qu'on a abordé du coup de la strate stratégique, on va avoir besoin, pour faire cet état des lieux, d'analyser l'ensemble au niveau des métiers, l'ensemble des processus métiers. Ça nous permettra de décrire ensuite les besoins organisationnels. Donc là, il s'agit effectivement d'identifier au niveau de sa structure toutes les fonctions et qu'on a besoin et de regarder ensuite chaque processus pour avoir effectivement pour décrire ensuite chaque fonction. Donc, on a un lien fort entre pilotage, support, production métier. On voit que là, on va être juste en processus et ça va permettre de comprendre l'ensemble des interactions et ensuite, dans un deuxième temps, les apports que va potentiellement apporter le SI. Alors, ça, c'est... je dirais presque une mise en garde, c'est-à-dire que dans l'analyse de l'existant, il y a effectivement la structure en elle-même, mais il y a aussi les professionnels et il ne faut pas négliger de bien appréhender leur capacité d'utilisation. C'est des freins importants dans les déploiements des projets SI. Et le mesurer en amont du projet va permettre d'anticiper aussi toutes les difficultés qu'on pourra avoir. On a déjà évolué hein, depuis le début du numérique en médico-social, c'est-à-dire il y a 15 ans, les gens avaient une problématique entre la souris et l'écran. On a un peu dépassé ce stade-là, mais il reste encore beaucoup d'appréhensions qui ne sont pas forcément toujours facilement identifiables. Et on doit en amont mesurer le degré d'acceptabilité des professionnels au numérique.
Pour prendre un exemple, en EPSMS, on a une culture de l'écrit qui est importante, hein, et c'est vrai que certaines professions ont beaucoup de suivi qui sont assez rédactionnels, on va dire. Le passage au numérique va les confronter avec une saisie forcément plus synthétique, et on peut avoir effectivement des professionnels en difficulté par rapport à cette frustration de passer tout d'un coup d'un écrit libre, je dirais, à un écrit plus structuré qui est opéré dans les outils numériques. Donc c'est très important de le voir aussi en amont du déploiement, même si on en reparlera tout à l'heure dans la mise en œuvre. Donc, une fois qu'on a bien identifié l'ensemble des processus de la structure, on va cartographier l'existant. C'est-à-dire qu'on va regarder, effectivement, décrire les fonctionnalités déjà de qu'on retrouve dans l'établissement, donc s'appuyer sur la cartographie et regarder ce qui est couvert ou ce qui est à couvrir. Donc la cartographie fonctionnelle du SI, alors ça vous allez la retrouver, elle a été décrite dans les documents ANAP du kit du directeur. C'est finalement un petit peu... Tout à l'heure, on avait la maison qui reprenait la structure avec effectivement les différentes strates. Et bien là, on va descendre au niveau plus fonctionnel. On va avoir effectivement tout ce qui concerne le processus admission d'usager. On va avoir l'accueil de la personne, on va avoir l'information du recueil de connaissances. Donc ça, c'est vraiment toutes les fonctions. Alors, cette cartographie elle a été récemment mise à jour, largement, je crois, partagée, qui permet à un établissement de pouvoir s'y rapprocher assez facilement, même si certaines fonctions sont plus ou moins développées ou n'existent pas dans la structure, mais en tout cas, ça donne une base de travail pour bien identifier les besoins qui est intéressante, puisque sur cette cartographie-là, on va pouvoir retrouver l'ensemble des fonctions qui sont à couvrir normalement, je dirais, par le SI, pour répondre aux besoins des professionnels du secteur, mais surtout, même si on n'a pas tout, on va pouvoir identifier où on en est dans nos structures. Donc, on aura un double usage sur cette cartographie, à la fois de lister ou d'ajouter, s'il y avait des fonctions effectivement qui auraient été omises, mais également de mesurer comment ces fonctions sont analysées au niveau de notre structure. On peut passer à la prochaine. Donc là, effectivement, on va la définir et on va comparer effectivement les fonctionnalités proposées par les outils existants. On va voir si la fonction est couverte par le SI ou pas. On va voir également, on verra tout à l'heure, s'il y a redondance. Donc on aura une analyse à la fois fonctionnelle et pour les redondances, on verra effectivement, on aura une analyse de nos applications dans l'établissement pour voir si on a des redondances ou des manques d'ailleurs. Voilà, donc là, c'est vraiment, quand on dit identifier les besoins, on va être vraiment là, on va s'appuyer sur la cartographie pour la coller à la vie de notre établissement. Donc, ça veut dire que sur les fonctions, si on prend accueil de la personne, on va se poser la question, est-ce que la fonctionnalité existe et donne satisfaction dans ma structure ou en orange, vous voyez, on a mis le jeu de couleurs est intéressant parce que ça, c'est assez visuel et ça permet tout de suite de lister un petit peu soit les points forts, soit les points faibles en fonction de ce qu'on recherche. En orange, on va voir est-ce que la fonctionnalité existe, mais partiellement, ou effectivement, est-ce qu'on n'a pas du tout de cette fonctionnalité dans le SI. Ça nous aidera par la suite aussi à faire des choix, puisqu'on parlait en première partie de la stratégie et les choix qui seront à faire pour développer le SI, ben ça permettra de voir quelles sont les forces de l'établissement, mais aussi d'identifier quelles sont un petit peu les faiblesses où on aurait besoin de renforcer le SI. Et parfois, on ne commence pas forcément par ça, parce qu'on a effectivement la résistance des agents, mais ça nous permet d'avoir une bonne analyse de notre structure, en fonction de la réponse qu'on doit avoir au niveau des usagers. Donc, je sais pas si, oui.
Il y a un volet fonction, et on disait il y a déjà de l'informatisation au niveau des structures PSMS, donc on va avoir aussi le besoin d'identifier les réponses qui sont existantes au niveau applicatif. On ne part pas de zéro dans les structures. On disait tout à l'heure, on a certains domaines qui sont déjà souvent un petit peu plus informatisés que d'autres, et donc on va faire finalement, au niveau de la cartographie, on va faire la même chose au niveau applicatif pour effectivement avoir un recueil de données, je dirais, un recueil de l'existant complet. Donc, on va toujours travailler en sous-tendu de la cartographie, et on va repositionner du coup nos applications. Donc, on a X ou Y, hein, là on a mis ABCD, application, donc utilisée dans l'établissement. Et on va se dire, mon application, elle couvre telle fonction. Donc, par exemple, là, l'application A couvre la gestion RH, la gestion administrative financière, elle couvre la gestion des domaines personnels, des données personnelles. Et on va essayer, pour chaque application, de voir quel domaine elle couvre. Alors là, ça va nous permettre, par rapport au domaine fonctionnel, on disait, on a ou pas cette fonction d'un établissement. Si elle n'est pas couverte, ben, ça tombe bien puisqu'on ne l'a pas. Mais par contre, ça va aussi nous permettre de voir que deux applications, si on prend la gestion du dossier médical, on peut très bien avoir deux applications qui permettent de la gérer. Donc là, on va avoir un doublon applicatif qu'on va essayer effectivement de gommer à un moment donné, ou on va décider de plutôt garder telle application ou telle application puis on couvre le même besoin. Donc ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui est relativement simple. L'objectif, ce n'est pas de passer non plus, ce qu'on disait tout à l'heure, des jours et des jours à aller identifier les besoins de notre établissement, parce que ce qui va être important, c'est surtout la mise en œuvre du projet et que les choses avancent. Donc si, mais qu'elles soient fiables, et en plus, cette cartographie à la fois fonctionnelle et à la fois applicative, vous pouvez la garder en évolution dans le temps. C'est-à-dire qu'à un instant T, on va avoir effectivement cette couverture-là, qu'on va voir évoluer dans le temps, et on va tendre effectivement à une couverture de l'ensemble des fonctions de l'établissement. Donc voilà, cette cartographie que vous a présentée Michel, c'est une cartographie qui a été publiée également par la NAP. Donc vous pouvez la retrouver avec les liens que vous envoie Marion dans le chat. Donc vous pouvez retrouver cette cartographie exactement comme elle vous a été présentée, avec toutes ses fonctions. Et puis un document également qui peut vous permettre de vraiment pousser, de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces fonctions. C'est un niveau supérieur, mais qui vous permettra vraiment de rentrer dans le détail, et donc qui s'appelle « Fonction d'un dossier de l'usager à informatiser ». Je vous propose, Michel, qu'on reprenne des questions. Donc, encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, les questions sont à poser à tous les panélistes et participants pour que tout le monde puisse voir les questions qui ont déjà été posées dans le chat et qu'on puisse, nous, de notre côté, vous répondre correctement. Il y a donc une question qui est une remarque aussi. Quel message porter auprès de professionnels qui estiment que l'utilisation de logiciels métiers correspond à une activité administrative? Leurs missions sont sur le terrain et pas le nez dans les outils informatiques. On est vraiment dans la conduite du changement. Enfin, je crois que là, effectivement, il faut accompagner les professionnels. Je pense que ce qui est important, c'est de replacer effectivement le contexte. Effectivement, leur mission, elle est auprès des usagers, hein, c'est sûr. Par contre, souvent, leurs compétences et leurs évaluations, elles restent à leur niveau. Or, on a la notion quand même d'équipe, on a la notion de prise en charge pluriprofessionnelle, et que ce partage d'informations, il est incontournable par rapport à la qualité de la prise en charge. Donc, c'est vrai que on a des résistants, hein, à l'informatique. Parfois, ce n'est pas forcément plus pour être sur le terrain, donc ce n'est pas toujours... la bonne raison, c'est aussi beaucoup de réticences à l'outil informatique. C'est pour ça qu'on disait en amont, il faut bien repérer aussi quelles sont les réticences, parce que c'est
c'est pas forcément plus long. C'est une autre manière de travailler et aujourd'hui, on est en pleine évolution et c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle de virage numérique, hein, et je pense qu'il faut redonner du sens. Je pense qu'on ne peut pas changer d'outil sans que les professionnels comprennent l'enjeu, le sens que ça a, l'impact sur la qualité de la prise en charge, parce que ça, je pense qu'en tant que, enfin, en tant que professionnel, les gens sont très sensibles à cette dimension. Je pense qu'on gagne aussi en qualité de prise en charge avec les outils numériques grâce au partage. Et après, bon, on aura toujours les irréductibles. Oui, après, je crois que c'est important dans une partie de nos structures. En fait, il y a deux, quand on va vers un dossier d'usager informatisé, parce que c'est souvent à ce moment-là que ça ressort en fait, hein. Il y a deux bascules qui se cumulent, c'est-à-dire que il y a passer de l'oral à l'écrit, et ensuite passer de l'écrit papier à de l'écrit numérique. Et ce qui se passe assez régulièrement, c'est que on voit des formations ou du travail, voilà. Des directeurs qui proposent plus ou moins des 30 travaux autour de l'écrit professionnel et ensuite de se dire on installe un dossier d'usager. Et en fait, la question est plus du tout la même. Voilà. Ça veut dire que passer de l'oral à l'écrit, c'est plutôt traiter du fait que tout reste dans la tête d'un professionnel ou est-ce que c'est partagé en équipe et on accompagne l'usager de manière en équipe. Voilà. Et donc, ça, c'est une question qui est importante et il faut accompagner les professionnels vers ça. Mais ça, ce n'est pas vraiment une question numérique, c'est une question de l'écrit professionnel. Voilà. Et dans le deuxième temps, quand on a des écrits, de passer de l'écrit papier à l'écrit numérique, en fait, oui, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps, un peu de perte de temps, mais après, ça, écrire sur un papier ou écrire sur un clavier, globalement, on arrive à des temps qui sont relativement similaires. Le fait que ça soit partagé met aussi en place, instinctivement, les professionnels font attention à ce qu'ils écrivent, ils font beaucoup plus de synthèse, voilà. Ils expliquent un petit peu le contexte aussi. Voilà. Donc, il y a un aspect qualitatif qui est présent par rapport à du papier, et ce qui fait que ça compense le temps qui passe un peu plus. Voilà. Ce qui fait que globalement, entre l'écrit papier et l'écrit numérique, on n'a pas un écart phénoménal. Voilà. Par contre, c'est la notion de passer de l'oral à l'écrit qui est souvent remis en cause. Il ne faut pas hésiter à accompagner des professionnels qui ont besoin d'une pré-formation, au fond, hein, une formation, un temps là-dessus. On en a d'autres qui ont encore des soucis sur le clavier et la souris, même si c'est ce que disait Michel, c'est de plus en plus rare. En réalité, il y a quelques années, on pouvait avoir un quart de ces salariés qui avaient besoin de cette formation. Voilà. Avant d'attaquer la notion de dossier d'usager numérique. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Tout à fait. Il y a une autre question qui nous dit qu'actuellement, dans la structure dans laquelle la personne travaille, certains professionnels considèrent que les logiciels métiers sont suffisants pour gérer les DUI. DIU, pardon. Je ne sais pas si c'est une inversion. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Les dossiers d'usager. Alors, dans cette cartographie, ce qui est intéressant sur les deux documents qu'on vous a présentés juste avant, hein, sur le slide précédent, ces deux documents sont très complémentaires. La cartographie vous permet d'avoir une vision très globale, avec en un seul transparent, entre guillemets, et d'avoir une vision stratégique. Par contre, si vous avez besoin de rentrer dans le détail, le deuxième document permet, en gros, pour faire un résumé, ça fait une soixantaine de pages, pour chaque petite case, il y a une page entière de description de ce que l'on peut retrouver dans cette fonction. Voilà, des éléments qu'on pourrait avoir dans un dossier d'usager. On a fait attention que tous ces éléments existent parmi les éditeurs, voilà, et vous permettent de se dire si nous avons besoin de cette fonction, vous trouverez un éditeur qui vous répond sur cette question-là. Voilà. Donc les deux sont très liés. L'un, ça permet d'avoir une grande stratégie, et de l'autre côté, ça permet de fouiller un petit peu. Voilà. Après, un dossier unique de l'usager,
qu'ils soient numériques ou pas. L'idée de fond, c'est de se dire qu'à un seul endroit, ou à plusieurs endroits, mais très identifiés, on a toutes les informations sur l'usager. Voilà. Pour permettre, pour pouvoir l'accompagner et de manière en équipe et ou de manière par profession. Mais globalement, toutes les informations sont au même endroit. Donc, à un moment donné, les contraintes sur le dossier unique de l'usager sont telles qu'à un moment, c'est beaucoup plus facile de le passer en numérique. Voilà. Alors, si vous avez des données qui sont dans le dossier d'usager informatisé et la version papier, c'est possible, mais c'est relativement compliqué à gérer. Voilà. Et même si c'est possible. Voilà. Après, il y a le deuxième élément, c'est une notion de sécurité, voilà, et d'accès. Voilà. Le dossier unique de l'usager touche du doigt cet élément en disant ne doit être accessible l'information qu'aux personnes qui en ont besoin. Mmh. Voilà, au fond, c'est un petit peu ça. Et donc, il n'y a pas obligatoirement tout le dossier de l'usager. Et donc, quand c'est dans une armoire et que tout le monde a la clé, ben, on ne peut pas répondre à cette question. Voilà, on n'est pas tout à fait dans la réglementation. Et encore une fois, la notion d'informatisation, elle aide là-dessus. Je te coupe maintenant parce qu'il y avait aussi la notion que les logiciels métiers pouvaient être suffisants pour gérer un DUIC. Je pense qu'il y avait aussi la notion du fait que les gens, les professionnels sont attachés parfois à leur propre outil métier. Donc chacun a le sien. Et là, du coup, on est un peu en silo. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le problème de l'interopérabilité. C'est qu'on peut pas, on peut pas forcément les faire communiquer. Donc là, du coup, on n'est plus, c'est pas suffisant pour gérer un DUI pour moi. C'est mieux que d'être sur du papier pour tout. Mais si on met un logiciel métier pour chaque métier présent dans l'établissement, on va être du coup sur du silo et on ne va pas du tout répondre à l'objectif qui est d'avoir une vision pluriprofessionnelle et d'avoir une prise en charge partagée. Donc pour moi, c'est vrai que ça convient souvent très bien. Hein, on ne veut pas lâcher son outil, on s'y retrouve bien. Souvent, en plus, ces métiers ont vraiment la pertinence. Hein, on peut enlever ça. Ils ont vraiment été ciblés sur le professionnel, mais non, je pense que c'est pas suffisant pour gérer un DUI. Merci. Il n'y a pas vraiment d'autres questions, mais il y a plusieurs réactions qui vont finalement dans votre sens concernant les écrits professionnels, qui sont des professionnels à former sur ces notions effectivement avant l'usage des logiciels. Et également une remarque qui met le doigt aussi sur la question de l'accessibilité numérique, qui avec des outils qui ne sont pas toujours très ergonomiques, et c'est ça aussi qu'il faut tenir compte en lien avec son éditeur. Ça, c'est un point qui est abordé qui nous paraît naturel, mais qu'on oublie parfois un petit peu de redire, c'est que en fait, le logiciel, le dossier d'usager, mais c'est la même chose hein, pour l'outil RH ou finance, pour le comptable ou pour la chargée de paye, ce sont des outils du quotidien, voilà, et donc à partir de là, il faut que les professionnels soient à l'aise avec leur logiciel, et je vais même un peu plus loin, il faut qu'ils puissent le choisir. Voilà. Et donc, dans la démarche de mise en place d'un outil, bien sûr, il faut s'assurer qu'il soit propre, qu'il soit carré, qu'il n'ait pas de bug. Il faut s'assurer qu'il suit bien la réglementation. Et puis, quand on a fait un petit peu ces sélections-là, on regarde un petit peu toutes les fonctions, est-ce qu'elles sont bien couvertes? C'est toutes les fonctions qu'on s'était dit avec les professionnels qu'on avait besoin. Bon, on regarde quels sont les logiciels qui restent. Il en reste toujours 3-4. Et au fond, à ce moment-là, qu'est-ce qui paraît le plus important? Ben, c'est que les professionnels qui vont vivre au quotidien avec ces outils-là, ben, choisissent celui qui est le plus adapté pour eux. Et ça, c'est un morceau très important parce que le directeur pourrait dire « Oui, mais tel logiciel a 2-3 fonctions de plus. »
Mais si de l'autre côté, on a des professionnels qui se disent, mais là, moi, je me sens bien, je me sens chez moi, dans mon bureau, je suis bien. Eh bien, en réalité, ces professionnels vont mettre deux fois plus vite pour s'adapter à ce nouveau logiciel. Ils vont passer le cap, qui est toujours un peu dur, du changement, en fait. Hein, ça veut dire on passe d'un logiciel à l'autre ou on passe de l'écrit papier à l'écrit numérique. On a toujours une période qui n'est pas agréable pour le professionnel, qui remet en cause même son existence, hein, en disant « t'es nul ». C'est l'impression que le logiciel lui dit ça, en fait. Mais en réalité, à un moment, ça passe. Mais un professionnel qui a choisi son logiciel, eh bien, en fait, il passe beaucoup plus vite en fait ces étapes-là, qui sont relativement désagréables, autant pour chaque professionnel, mais autant pour la direction de la structure, qui a toujours un petit peu du mal à vivre cette période-là en disant « Zut, j'ai choisi un logiciel, est-ce que j'ai bien fait, etc. » Et le fait, juste avant de l'acheter, de se dire « Maintenant, il nous en reste trois ou quatre, et trois ou quatre qui remplissent toutes les conditions techniques, juridiques, qui sont toutes les fonctions couvertes qu'on avait besoin, eh bien là, on choisit. C'est un peu choisir la couleur de sa voiture, au fond. Voilà. Et choisir un peu la forme de son siège. On est bien, eh bien celui-là, il passe en premier, puis voilà, c'est celui-là qu'on aura. Merci. Il y a des réactions encore dans la discussion, mais voilà, j'invite les participants à aller les lire et puis éventuellement à continuer l'échange dans la discussion. On va poursuivre nous sur le sujet. Voilà, donc je vais redonner la parole à Michel. Oui, donc là, une fois qu'on a cartographier notre structure, on va du coup mieux la cerner et pouvoir identifier les besoins. On va donc repartir de notre diagnostic. Hein, on a vu tout à l'heure qu'on avait plusieurs moyens de le faire, aussi autant avec les autres diacs qu'avec en s'appuyant sur la cartographie fonctionnelle et la cartographie applicative, en tenant compte aussi du contexte des professionnels, hein, donc leur aptitude à adhérer à ce changement. Mais on va également, parallèlement à ce diagnostic, on va s'appuyer sur le contexte, c'est-à-dire quels sont les enjeux pour mon établissement, quels sont mes besoins réels, quelles sont les exigences du moment. Hein, on sait que le contexte est un peu mouvant et que, en fonction des régions, en plus, on va avoir sans doute par rapport soit aux ARS, soit aux projets régionaux, des exigences un peu différente d'un secteur, d'une région à une autre, et puis aussi aux obligations réglementaires que le PSMS doit, les établissements doivent s'ajuster. Donc c'est bien en faisant une analyse des deux, à la fois du diagnostic et à la fois du contexte et des besoins et des orientations de la structure, qu'on va pouvoir du coup se dire quels sont les projets déjà identifiés, qui sont à mener, et ensuite faire les priorités, parce qu'en général, on va prioriser, on va se dire, je vais plutôt commencer par tel ou tel projet. On va aussi, toujours en lien avec les professionnels, comme on avait vu tout à l'heure, on avait évalué leur maturité, leur capacité à évoluer et leur maturité par rapport au système d'information. On va aussi ne pas négliger d'étudier les impacts et les risques de la mise en œuvre de la feuille de route SI. Ce que disait tout à l'heure Benoît, c'est que la mise en place, si on prend l'exemple d'un nouveau DPI, va avoir un impact sur les pratiques professionnelles. Et ça, c'est important de bien le mesurer en amont pour pouvoir effectivement adapter la conduite de changement. On va donc, en parallèle de notre stratégie de déploiement ou notre stratégie de mener à bien ce projet, essayer d'avoir un dispositif de conduite du changement adapté à notre structure, que ce soit en communication, que ce soit en formation, en assistance. C'est vrai que si on a des professionnels qui sont plus résistants à l'outil en lui-même, on va plutôt organiser des sessions d'usage de l'outil. Si c'est effectivement des utilisateurs qui ont plus de mal à passer
à de la rédaction synthétique, hein, ce qui arrive, parce que quand on regarde les transmissions, on est beaucoup dans du littéraire, et c'est vrai que ce qui est important, c'est peut-être d'arriver à synthétiser des fois certains suivis ou certains écrits. Que ce soit des professionnels qui sont moins à l'aise déjà, avant de passer à l'informatique, à décrire le projet du résident. Et donc, on va anticiper ces changements de pratique de manière à se garantir le succès du projet. Et c'est vrai qu'on doit embarquer l'ensemble des professionnels, personne ne doit rester sur le bas-côté, et on doit tenir compte de toutes les résistances qui peuvent apparaître, et parfois on est surpris, hein. C'est pas forcément des choses très compliquées. Je pense que l'idée, effectivement, quand on est sur des choix de logiciels, de faire participer les professionnels à la décision, ou au moins à l'étude, ou à la définition des critères, est un bon moyen effectivement, hein, de leur faire lâcher prise un petit peu sur cette résistance, et donc c'est important, ça, de bien l'évaluer en amont du projet. Donc on voit bien que le numérique, ce n'est pas que se dire on va mettre des outils techniques, qu'il y a des multitudes d'outils. Donc s'il y avait un outil magique, ben, je pense qu'on sauterait dessus. On n'a pas d'outil national, ça réglerait sans doute un certain nombre de problèmes, mais ça n'existe pas. Donc on va essayer de confronter ce qu'on sait aussi des pratiques et des usages qu'ont les professionnels. On va tenir compte aussi de l'humain, hein, puisque c'est en partie aussi la réussite des projets, hein. Et on va conduire effectivement auprès des professionnels, on va aussi les interroger. Plus on va conduire les enquêtes, des entretiens, je pense que plus on connaîtra son terrain, je dirais, et ses professionnels, et surtout leur représentation, hein, du projet, plus on aura de certitude de réussir ce projet. Alors, l'ANAP vous propose un document qui finalement vous présente certains des éléments qu'on vous a déjà exposés aujourd'hui pour réfléchir à la raison d'élaborer une feuille de route ici, c'est-à-dire la méthodologie qu'on est en train de vous dérouler aujourd'hui. Voilà, quel est l'intérêt de faire cette feuille de route ici, et qui vous en résume les grandes étapes. Donc c'est un argumentaire que vous pouvez aller lire, et qui peut aussi vous aider dans le travail d'équipe pour se convaincre de la nécessité d'élaborer cette feuille de route et embarquer les uns et les autres dans ce travail. Et puis on parle depuis tout à l'heure de la conduite du changement. L'ANAP a aussi un kit qui peut vous aider avec des outils qui vous développent et vous précisent comment on peut conduire le changement dans sa structure, avec notamment les quatre étapes qu'on peut voir ici. D'abord mesurer pour évaluer le changement nécessaire, l'organisation, donc arriver à bien comprendre quel va être l'impact du changement et préparer cet accompagnement, le vivre, et évidemment comment continuer d'accompagner le changement pendant le changement, et puis évaluer, donc prendre du recul sur la transformation que l'on a menée. La feuille de route, ça s'arrête pas tout à fait là, puisque comme on a dit au début, aujourd'hui on développe surtout la première étape, donc diagnostiquer l'existant. Il y a des étapes suivantes qu'on développera dans le prochain webinaire, qui sont définir la cible et les projets prioritaires, et puis scénariser sa transformation, bâtir sa trajectoire ici, c'est-à-dire construire le chemin vers la cible, comment est-ce qu'on va aller rejoindre les transformations, les projets qu'on a identifiés, et puis piloter sa feuille de route, c'est-à-dire tout au long de la transformation, regarder qu'on soit toujours sur la bonne voie. Comme je le disais, il y a un prochain webinaire sur ce sujet, et puis c'est aussi un document qui vous développe vraiment en détail et qui vous donne même des checklists pour pouvoir réaliser toutes les étapes sur la feuille de route
SI. Donc voilà, pour élaborer votre feuille de route ici. Donc c'est un document où vous retrouverez aussi les prochaines étapes qu'on va aborder au prochain webinaire. Donc si vous voulez d'ores et déjà le lire et pointer des questions pour la prochaine fois, c'est aussi possible. On va faire à nouveau quelques questions s'il y en a encore. J'ai vu beaucoup de choses défiler, mais je n'ai pas eu le temps de tout identifier. Oui, en attendant qu'on ait le temps de lire un petit peu, je crois que voilà. Je voulais faire un petit parallèle entre quand on fait un projet personnalisé pour un usager, en fait, on passe un grand temps pour l'analyse de la situation de la personne, que ce soit sur le plan physique, psychique ou de son entourage, de son environnement, de ses possibilités, de ses envies, etc. Globalement, un projet SI, un projet de feuille de route SI, bah, ça se mène de la même manière au fond. On passe beaucoup de temps à analyser un petit peu sous tous les différents angles de vue possibles et imaginables. Voilà, on vous a listé les principaux axes de fond, les documents que vous pourrez lire tranquillement. Ces documents approfondissent plus ce qu'on vous a dit à l'oral, mais vous avez les différents angles majeurs qui sont à prendre en compte bah, pour faire un bon diagnostic et après faire un bon projet personnalisé de son SI. Voilà, au fond, c'est un peu ça. Souvent, il y a un temps de travail assez long sur le diagnostic et après, en équipe pluridisciplinaire, on va assez vite pour construire les projets prioritaires et les scénariser. Voilà, ça sera un petit peu la même chose. Ça veut dire que là aussi, je crois qu'il faut se mettre en équipe pluridisciplinaire. On regarde tous les angles possibles, on pose la question un peu à toute l'équipe, à une grande partie des salariés ou des représentants des salariés de la plupart de ses activités, de sa structure. Et on se dit, bon, ben voilà, on va diagnostiquer sous l'angle technique, sur l'angle ergonomique, etc., son système d'information. On va passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis à un moment, on va sentir vers quel endroit il faut qu'on aille. Et c'est ça que l'on écrit dans la feuille de route au final et qu'on va vendre aussi à son CEPOM parce qu'on abordera ça aussi dans le prochain webinaire. Y a-t-il des questions alors ? Avant qu'on passe à la suite. Alors, je n'ai pas vu de questions spécifiques, j'ai vu des remarques. Il y a une remarque intéressante, si je peux me permettre, Soazie, sur le fait de rappeler qu'un logiciel ne doit jamais remplacer la relation humaine, une transmission informatisée ne remplace pas une réunion d'équipe. Effectivement, ça c'est un élément par rapport aux professionnels qui revient quand même régulièrement. Et pour leur inquiétude, c'est que l'informatique... on cherche à gagner du temps, on va avoir moins de personnel. Or, je pense que c'est un argumentaire qu'il faut avoir dès le début pour bien spécifier qu'effectivement, l'outil, c'est vraiment un outil dans l'objectif de partager et d'avoir une conduite commune par rapport au projet du résident. Mais que l'objectif, ce n'est pas forcément de faire disparaître les temps d'échange, les temps de réunion. C'est plutôt on va chercher plutôt la qualité, je dirais, parce qu'effectivement, c'est que dans l'oral, on va retenir 20% au bout de quelques heures. Donc, on va essayer de permettre à ce que l'ensemble des professionnels aient les éléments par rapport à la prise en charge. Donc, ça, c'est important parce que cette remarque-là, effectivement, elle est quasiment dans tous les établissements, avec cette peur que l'informatique fasse qu'on enlève du temps soignant, et particulièrement les EPSMS où il y a beaucoup de rédactions, il y a beaucoup de réunions. Ça, chez eux, c'est une réserve. Peut-être une remarque qui a été faite, qui peut être sur laquelle vous pourriez donner votre avis. Une personne propose de prendre des logiciels de préférence qui auraient une certification qualité hôpital numérique. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais peut-être qu'il faut réagir. En fait, la certification qualité hôpital numérique s'applique aux logiciels de type hospitalier,
Voilà. Aujourd'hui, les logiciels de type médico-sociaux n'ont pas encore de certification. Il y aura une phase intermédiaire qui sera la labellisation. Voilà. Un label qualité, comment dire, ESMS numérique. On va avoir quelque chose qui va être de cet ordre-là. La première étape de ce label devrait arriver cet été. Voilà, où, il sera mis en concertation, donc pour une application plutôt au deuxième semestre. La certification, elle n'arrivera pas tout de suite, mais la labellisation va vous permettre assez rapidement quand même de distinguer entre les éditeurs qui souhaitent être dans une qualité permanente et adaptée au secteur, et ceux qui auront plus de difficultés à le faire. Voilà. Donc, on sait déjà par le programme ESMS numérique, un certain nombre sont sélectionnés par la CNSA, par l'intermédiaire du RESA, mais en fait, cette sélection, elle s'est faite sur des cahiers des charges techniques, et puis aussi sur les deux documents qu'on vous a présentés, qui étaient la cartographie et la liste des fonctions dans chaque case aussi. Voilà, tout ça fait partie du cahier des charges qui a été posé. Donc en fait, c'était une pré-labellisation qu'on a testée, qui marche assez bien. Voilà, donc il va y avoir une véritable labellisation qui devrait arriver à la fin de l'année maximum. Aller vers un outil qui est certifié qualité hôpital numérique fait qu'il répond bien aux problématiques et à la structure et à l'organisation d'un hôpital, mais aussi à un certain nombre d'éléments techniques. Voilà. Donc les éléments techniques seront sûrement très très similaires entre une certification qualité hôpital numérique et une labellisation ESMS numérique. Voilà. Il faut s'attendre à quelque chose qui ressemble à ça. J'attire l'attention de deux réactions qui ne sont pas adressées à tous les panélistes et participants, donc je renouvelle mon petit point de vigilance pour nos participants. Voilà, adressez vos messages, choisissez bien l'option tous les panélistes ou tous les conférenciers pour que tout le monde puisse voir vos remarques ou suggestions. La première, je vais la lire du coup puisqu'elle n'est pas visible pour tous, qui, suite à ce que disait Michel, réagit en disant « la réunion d'équipe donne en principe lieu à un compte-rendu écrit qui peut être rédigé en direct dans le DUI et permettant l'actualisation instantanée des dossiers des usagers concernés. » Alors, je vois ce qui arrive ensuite. C'est bon, les autres messages, c'est des personnes qui ont à nouveau transféré leurs messages à tous. Une autre question qui arrive, qui est « Dans notre structure, nous avons acheté deux logiciels, un pour le suivi de l'usager et un pour l'évaluation interne. Non sans mal pour l'appropriation par le logiciel, même s'il y a de la bonne volonté, il faut une dose d'énergie pour un directeur de conduire le changement. » Effectivement, et le directeur se forme aux notions ici, mais aussi peut-être à la conduite du changement en parallèle. Oui, je crois qu'il faut pas sous-estimer le fait que c'est le directeur qui porte ce changement-là. Par contre, il n'est pas tout seul aujourd'hui. Voilà. Si dès le démarrage, il travaille avec l'ensemble de ses professionnels, c'est beaucoup moins lourd à porter. Voilà, parce qu'il y a toujours des professionnels qui se disent que le numérique, c'est plutôt positif et ça peut aider. Voilà. Vous avez aussi des cadres intermédiaires qui peuvent avoir un certain nombre de positions de ce type-là. Aujourd'hui, vous avez aussi vos autorités de tarification ARS et CD qui vont dans ce sens-là. Voilà. Et c'est important de le dire aussi à vos professionnels. Mais il n'y a pas de doute que l'accompagnement au changement, c'est votre métier. Voilà. C'est le métier du directeur. On essaye de vous donner un maximum d'éléments, de documents, et surtout l'argumentaire que l'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment un argumentaire que vous pouvez exposer en fait à vos salariés. Voilà, on s'est rendu compte que le numérique était pertinent dans une structure médico-sociale pour tels et tels éléments. Voilà. Donc, c'est
L'accompagnement au changement ne se fait pas en une fois. Vous avez peut-être plusieurs logiciels à mettre en place. Il faut les étaler dans le temps. Il faut évaluer aussi, peut-être de temps en temps, la fatigue des professionnels à passer d'un logiciel à l'autre. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre le temps de bien changer de logiciel, mais pas trop trop souvent. Voilà, tous les 6-7 ans, 7-8 ans, c'est pas si mal, et pas en dessous. Mais ça veut dire aussi que il faut vraiment bien le choisir et bien prendre le temps de bien le choisir pour les 5-7 ans qui arrivent. Voilà. Avec tous les changements organisationnels qu'on sent dans le secteur médico-social, il faut prendre en compte les rapprochements de structures ou la coopération entre les structures. Voilà. Alors, il y a une autre question qui est arrivée entre-temps, qui demande que se passera-t-il si la structure possède un logiciel DUI qui ne sera pas labellisé CNSA? Là, on rentre dans le technique, on s'éloigne Mmh. loin de la stratégie, hein, mais les éditeurs, sur le fond, la plupart des éditeurs ont envie d'avancer. Ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas rester là où ils sont. Ils se rendent bien compte aussi qu'il y a des attaques. La cybercriminalité augmente énormément. Eux-mêmes ont besoin d'être un peu étayés. Voilà, sur pour pouvoir bien protéger vos données derrière. Ils se rendent compte aussi que ils ont du travail pour des années, de toute façon. Donc ils sont pas trop inquiets sur leur avenir. Mais ils ont aussi un souci de rendre service de manière relativement correcte. La plupart des éditeurs ont cette position. On les rencontre très souvent. La CNSA les rencontre très souvent. Qu'est-ce qui se passera sur un éditeur qui ne sera pas dedans? Ben, en fait, il va avancer, puis au fur et à mesure, il aura de moins en moins de clients. Donc, à vous de pousser votre éditeur à devenir, comment dire, dans la liste proposée par la CNSA, à du moins se projeter dans l'avenir et aller dans une démarche qualité. Et puis, si vous sentez qu'au bout de 3-4 ans, il avance toujours pas, eh bien, envisagez tranquillement un autre logiciel. Voilà. Une autre question qui est aussi finalement un peu plus sur la stratégie, mais pas. Enfin, je vais la lire, tu verras ce que que tu en penses. Comment établir une stratégie et déployer un DUI informatisé sans connaître le contenu, les exigences de la labellisation? C'est vrai que tu évoquais l'arrivée de la labellisation, mais finalement tu y as un peu répondu en disant qu'il faut Oui. pousser l'éditeur Oui, il faut pousser l'éditeur. De toute façon, les éléments du label, en gros, vous regardez le document qu'on vous a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la carto et le descriptif, en fait, hein, toutes les sous-fonctionnalités qu'il y a derrière chaque case. Et globalement, le label viendra prendre un certain nombre de ces éléments-là pour se dire que ça rentre dans le label. Voilà. Ce sont toutes les fonctions qui sont utilisées par l'ensemble des structures de tout le monde médico-social. Voilà. Ce sont les choses les plus stables et qui sont utilisées pratiquement partout, à minimum, à minima. Voilà. Merci. Je vous propose qu'on passe à notre Oui. dernière séquence autour de la réponse aux besoins d'évaluation. Michel. Alors, pour répondre aux besoins d'évolution, on a diapo d'après. Voilà. On fait face aujourd'hui à une multiplicité de projets à mener. Donc, effectivement, par rapport au système d'information, on a des raretés de compétences hein, dans les établissements. On dispose pas forcément, on dispose de ressources limitées, mais aussi pas forcément toujours la bonne ressource pour répondre aux enjeux numériques. Donc, effectivement, il faut quand même penser à la coopération entre les ESMS et ou les organismes gestionnaires. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on va solliciter quand même les établissements pour les. D'ailleurs, on le voit par rapport au financement, hein, on va essayer de faire en sorte que
aujourd'hui, un EPSMS ne vive pas tout seul, mais puisse effectivement mutualiser les compétences qu'il y a dans l'un ou l'autre des ESMS qui sont des fois quelques kilomètres pour arriver à avoir une réponse plus rapide, plus adaptée et que ce soit aussi moins lourd pour le gérer. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est nouveau. Je pense qu'on était plus dans un fonctionnement, chacun vivait un petit peu dans son monde. Aujourd'hui, on demande un peu d'élargir sa vision et puis de regarder autour de soi si on ne pourrait pas se regrouper, essayer soit de faire des analyses ensemble, soit faire des choix d'éditeurs ensemble. En tout cas, essayer de mutualiser les ressources qu'on a pour mieux réussir, on va dire. Ce qui est important aussi, hein, je pense, c'est d'essayer d'identifier les opportunités de mutualisation. On va avoir des établissements qui vont avoir les mêmes objectifs ou c'est des objectifs. On peut effectivement, en se mutualisant, arriver à externaliser un certain nombre de soit de matériel, soit de logiciel, soit des compétences, et on arrive forcément à une qualité accrue. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi un grand changement culturel, je dirais. Ça veut dire aussi que là, on touche effectivement la stratégie hein, au niveau des directeurs. Ça veut dire qu'on va plus réfléchir individuel, mais plutôt collectif. Je pense que c'est une démarche qui est déjà bien initiée hein, forcément dans les organismes gestionnaires parce qu'ils sont déjà regroupés, mais qui commence à émerger et qui va dans les années à venir se développer, tout simplement parce qu'on va avoir des coûts beaucoup moins importants sur les achats de logiciels, on va avoir une meilleure discussion sur les fonctionnalités qu'on veut voir développer par les éditeurs, donc une qualité accrue effectivement, et puis on va pouvoir faire plus de choses parce qu'on va pouvoir avoir des ressources qu'on n'avait peut-être pas dans notre établissement, mais ne serait-ce que dans les déploiements, je veux dire, c'est pas forcément simple dans un petit établissement de gérer un déploiement. Si on est plusieurs établissements, on peut mutualiser les équipes et on arrive à des meilleurs résultats. En tout cas, quand on dit virage numérique, aussi, on est aussi dans une virage de vision par rapport au fonctionnement, et je pense qu'on élargit sa vision un petit peu autour de soi pour essayer de voir si, faisant fi un peu des concurrences qu'il peut y avoir des fois dans certaines structures, et si au contraire de mutualiser nos compétences, de mutualiser nos professionnels et puis partager notre expérience pour avoir un meilleur résultat. En tout cas, il faudra savoir s'en saisir. On peut se poser la question, hein, pourquoi mutualiser ? Ce que je disais tout à l'heure, on va capitaliser, développer des expertises, une expérience en SI, on n'a pas forcément toujours les compétences techniques, donc on va s'appuyer un petit peu aussi sur les autres. Ça renforce aussi les liens entre les acteurs. Alors ça, c'est très intéressant au niveau des professionnels, parce que des difficultés qu'on peut avoir des fois dans un établissement à mettre en place, des écrits professionnels par exemple, qui vont bien marcher ailleurs, dans l'établissement d'à côté, avec qui on se rapproche, c'est vrai que ça fait une impulsion pour que les professionnels soient rassurés. Ça fait effectivement un effet d'entraînement autour des enjeux du SI. Je pense que c'est pas facile à porter comme projet, donc quand on est plusieurs, c'est un petit peu plus facile. Il y a effectivement une meilleure identification des expertises SI, forcément, puisque on va pouvoir identifier peut-être plus facilement des compétences. Et puis, au niveau des achats, hein, ce qu'on disait, on peut effectivement développer sa capacité d'investissement. Donc ça, je dirais que ça arrive un peu à la fin du diaporama parce que je pense que c'est des pistes de réflexion aujourd'hui qui sont incontournables pour aller effectivement et prendre le virage numérique. On ne va pas pouvoir rester tout seul et je pense qu'il faut de l'entraide, et l'entraide, on peut la trouver effectivement avec les établissements qui sont autour de soi. Voilà. Merci Michel. Donc avant de prendre les dernières questions, j'en ai pas vu arriver, donc n'hésitez pas pendant que je présente les publications à poser vos questions sur ce volet de la mutualisation. L'ANAP a plusieurs publications qui peuvent vous intéresser. D'abord sur
la théorie, j'ai envie de dire, sur la mutualisation et l'externalisation de son système d'information. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut impliquer pour sa structure. Et puis deux publications qui sont des retours d'expérience. Une qui est sortie en début d'année sur le virage numérique avec des grands enseignements des acteurs du terrain, donc d'autres établissements ou services du secteur médico-social qui ont mené des transformations sur leurs outils numériques. Et puis une autre publication qui est là, vraiment spécifique sur la coopération autour du système d'information dans le secteur médico-social, donc qui vous présente des retours d'expérience de terrain. Eh bien, pour le moment, je ne vois pas de questions sur le sujet. Peut-être que Benoît, tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet. Non, pour ceux qui nous suivent un peu régulièrement, je pense que vous en avez marre qu'on vous parle de coopération, de la mutualisation. Peut-être. Donc, en fait, même si vous n'osez pas le dire, vous en avez marre, c'est entendable. Voilà. Pour être tout à fait honnête, c'est un des points essentiels, au fond, c'est que vous allez faire un peu votre feuille de route pour votre structure et en fait, si la structure d'à côté fait la même chose, ben vous vous rendrez compte qu'il y en a la moitié, c'est les mêmes projets. Mmh. Et donc, à un moment donné, d'acheter à deux ou à trois un logiciel de paye, et ben en fait, on fait baisser de 5, 10, 15% en fait le logiciel. Et c'est la même chose côté des ressources humaines, voilà, et même c'est une prise en compte plus rapide par l'éditeur, c'est parce que vous êtes plus nombreux. En fait, voilà, je pense qu'on vous a assez rabâché le sujet, vous avez bien compris que l'appel à projet qui a eu lieu là à partir de février de la CNSA a été orienté vraiment mutualisation aussi. Voilà, c'est pour des raisons non pas financières, c'est pour des raisons d'efficience en fait, tout simplement. C'est que voilà, à partir de 15 ESMS, eh ben, on a un système d'information qui est moins cher, mais qui est surtout beaucoup plus fiable sur le moyen et le long terme. Voilà, on garde plus longtemps ses outils, ses ordinateurs sont mieux protégés, les lignes sont plus adaptées aux besoins. Les techniciens répondent plus vite, voilà. Et en fait, on atteint des seuils à partir d'une quinzaine de structures qui fait qu'en fait, le service rendu n'a rien à voir par rapport à ce qu'un informaticien peut faire pour une seule structure, voilà. Oui, et on évoquait aussi le changement, pousser les éditeurs à changer. Quand on est plus nombreux aussi, le poids est augmenté. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y a une remarque. Une remarque simplement qui dit coopération et mutualisation valent mieux que fusion et absorption. Moi, je suis sûr qu'il y a une fédération qui est derrière ça. nos propos ne sont absolument jamais dans ce sens-là. C'est simplement que le numérique demande de la technique et des finances qu'on n'a pas toujours. Voilà. Et donc, à partir de là, on parle bien de mutualisation de moyens. C'est des ressources humaines et des logiciels qu'on ne peut pas se payer tout seul, on peut se les payer à 15 et ça n'a absolument rien à voir avec la notion de fusion-absorption. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit, on veut simplement que le virage numérique qui arrive soit le mieux géré et que vous, en tant que directeur, vous puissiez avoir des réponses à vos questions et des logiciels adaptés à vos professionnels et vos usagers. Et pour ça, il faut atteindre des seuils critiques, un seuil d'une quinzaine de SMS au minimum pour avoir les vraies compétences en face et des vrais logiciels solides en face. Voilà, tout simplement. Oui, je. Moi aussi, c'était de l'humour. Voilà.
Ok, ben je vous remercie tous les deux. Je ne sais pas si vous avez encore des petits mots à dire. Sinon, je vous propose qu'on conclue. J'invite les participants à rester encore 5 petites minutes, le temps de terminer. Et puis à la fin, Marion vous proposera un questionnaire de satisfaction qui nous permettra voilà, d'améliorer les prochains webinaires si nécessaire. Donc rapidement, je vous rappelle que nos prochains rendez-vous, on l'a déjà largement évoqué, le 20 mai, on continue sur la feuille de route, mais on parlera plus là de comment est-ce qu'on engage sa stratégie et pas uniquement le diagnostic. Et puis le 17 juin, on parlera du déploiement du dossier d'usager informatisé, en l'adaptant aux pratiques des professionnels et aux services des usagers également, bien entendu. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire connaître ces webinaires autour de vous en partageant les liens d'inscription et autres replays qui y arriveront. Quelques ressources pour vous rappeler donc déjà que la NAP, ce n'est pas juste des documents et des webconférences, c'est aussi des dispositifs d'entraide comme par exemple l'espace de discussion qui fait suite à ces webinaires que Marion vous rappellera tout à l'heure. C'est aussi des pairs et des experts comme Michel qui apportent une expérience du terrain. En termes de production, quand même, vous faire un petit focus sur le kit du directeur qui s'adresse donc au directeur de structure et d'établissement médico-social et qui est donc en fait regroupe beaucoup des documents qu'on vous a partagés aujourd'hui ou lors du premier webinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce type de dispositif, ils sont en train de se lever dans les régions, les collectifs et SI médico-sociaux qui voilà, regroupent à la fois des organismes gestionnaires, des fédérations, les AS et puis des responsables SI de terrain pour voilà, échanger et accompagner le virage numérique en région sur le secteur médico-social. Quelques ressources que vous pourrez retrouver dans le diaporama autour de la doctrine et de la feuille de route du numérique donc au niveau national et puis également des webinaires qui sont menés par l'Agence du numérique en santé et qui donc voilà, abordent en détail cette feuille de route et la doctrine du numérique pour le secteur médico-social. Voilà, Marion, je te laisse la main pour terminer. Merci à tous. Merci Soazic. Donc, comme nous vous le disions au début de ce webinaire, les échanges se poursuivent sur le fil de discussion qui s'affiche ici à l'écran et que Elvire va vous mettre dans la conversation. Donc, les replays, le support de tous les webinaires sont sur ce fil de discussion. Vous avez la possibilité également de mettre vos questions complémentaires. Nous y répondrons bien sûr. Et comme vous disait Soazic, restez encore un petit peu avec nous, je vais vous partager un sondage de satisfaction juste après. Mais avant de vous partager cela, je vous rappelle juste que voilà, ces webinaires nous permettent d'avoir des échanges avec nous, mais ils ont lieu grâce aussi à notre réseau, et notamment à notre réseau de pairs. Et la NAP recrute tout au long de l'année des professionnels de santé pour enrichir son réseau de pairs. Donc un pair, c'est une personne de terrain qui va partager son expérience aux autres pendant 10 jours par an. Il reçoit donc pendant 5 jours de notre part des montées en compétences sur nos productions et pendant 5 jours par an, il les redonne à la communauté en permettant au niveau local de partager tout ce qu'il a reçu de la NAP. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être motivées et intéressées, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui s'affiche à l'écran suivant. Et pour toutes vos questions relatives à l'accompagnement au changement, à la méthodologie de conduite de projet SI dans le secteur médico-social, n'hésitez pas du coup à contacter Benoît, Marie ou Soazic par leur adresse mail qui s'affiche à l'écran. Je vous partage à présent le sondage de satisfaction. Merci de prendre un petit moment pour y répondre. Thank you.